que vous êtes pour la jupette? Alors... Non, c'est une question sérieuse. Tout à fait. Alors, je trouve qu'il y a des jupettes très judicieusement inventées, mais d'autres qui font vraiment rajouter sur le juste corps. Et dans ce cas-là, je trouve ça dommage, parce que ça coupe la ligne des jambes. Mais il y a des jupettes qui sont très originales. Celle-ci, je la trouve personnellement assez banale dans sa forme, puisqu'elle est vraiment toute droite, mais originale dans le tissu qui a été employé, puisqu'on voit bien des petits reflets dorés. Et un élément de souplesse dorsale assez impressionnant. D'ailleurs, elle en enchaîne plusieurs, parce que au ballon, les éléments de souplesse sont les éléments qui doivent prédominer. Parce que chaque engin a, on peut dire, ses éléments... prédominants. Voilà, importants. Le ballon, donc au ballon, c'est les éléments de souplesse qui doivent composer au moins 50% des éléments en difficulté présentés. À la corde, ce sont donc les sauts. Au massue, les équilibres. Et au cerceau, c'est au choix. Il ne doit pas y avoir de prédominance particulière au cerceau. Donc c'est un engin sur lequel aussi on peut beaucoup plus se focaliser sur la manipulation, parce qu'on a, si un élément corporel est notre point faible, on peut le masquer par l'utilisation d'autres éléments. C'est pas comme au ballon, si on n'est pas souple, on est malheureusement...